Coucou mes stars! Aujourd'hui on se connecte sur Brookhaven RP et je vais me faire adopter par une pauvre. Ma phobie! Est-ce qu'il y a un méchant commentaire pour me sauver? Avant de commencer la vidéo, on va faire un challenge. Comme vous êtes des superstars, je vous donne le challenge de vous abonner et liker en 2 secondes. C'est parti mes stars! 1, 2, merci à vous l'équipe! Mes stars, ça fait quand même une demi-heure que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'adopter et il n'y a personne. Ah, j'ai une lueur d'espoir et une voiture qui est passée. Pendant ce temps, moi, je fais quoi? Je joue avec mon mini-car. En fait, elle est où la dame de la crèche, là? J'ai faim, moi, faut qu'elle aille me faire à manger. Oh, regardez, je suis tellement petite qu'on ne voit plus derrière la table. C'est quoi ce bordel? Non. C'est pas les trucs d'accueil des gens pauvres ici. Vous pouvez pas dormir ici, madame, je vais me cacher, je veux pas qu'elle me... Ah! Et je veux pas qu'elle m'adopte, elle est pauvre. Salut, je t'adopte. Non, tu m'adoptes pas, t'es trop pauvre, toi. Y'a que les fiches qui peuvent m'adopter. Et vu que j'ai pas de thunes, faut courir. Wesh, mais elle me kidnappe. Ça donne vachement lourd avec le kart. Regardez, elle me tient par le bout du pied. Elle me tient le bout du pied, regardez. On va où? Elle me dit pas qu'elle habite à l'hôtel. Tu vas voir. Non, je veux pas voir, ça ira. J'ai pas besoin de regarder, vous pouvez me ramener dans ma maison, la crèche. J'ai une superbe maison. Ah, ça fait un petit peu peur, c'est pas possible qu'elle ait une belle maison. Impossible, elle est pauvre. Comparée aux autres, je peux me cacher de la pluie. Comment ça compte? Mais où est-ce qu'elle va? Mais elle est malade, non! Oh non! Oh non! Oh ça... Oh, mais je peux même pas faire de carte ici, c'est trop petit. C'est moche et ça pue, pour de vrai. J'ai nettoyé juste pour toi. Ça pue le caca de chien. Je l'ai vite à quoi? Je peux pas habiter ici, c'est beaucoup trop petit. Et ça sent le caca. Et puis, je peux pas faire du kart. Tu peux jouer partout sauf sur la piste de l'avion Franck qui est allé et paf. Quoi? Je lui demande c'est qui Franck? Parce que moi, je ne connais pas de Franck. J'ai plus jamais vu Franck. Ah, je crois qu'il s'est fait écraser par l'avion. Mais moi, de toute façon, l'avion, hein, il peut pas m'écraser, je suis plus rapide que lui avec mon kart. Hein. Je vous préviens. C'était mon voisin, le dresseur de rats. Wesh, en plus, on en a connu une qui dressait des rats. Je vais lui dire que j'ai faim, comme ça, elle me ramène à manger. Du coup, pour pas laisser Franck partir comme ça, j'ai pris toutes ses affaires, rien se perd, tout se transforme. Oh, c'est glauque. T'as faim? Non, j'ai plus faim, là, d'un coup. Attends, non, c'est bon, je rigole, j'ai plus faim. Son histoire, elle m'a dégoûté, wesh. J'ai plus envie de manger. Je vais voler au McDo. Bah, si on va voler au McDo, c'est bon. Et c'est vrai qu'il est juste là, en plus, le McDo, on habite juste en face. Bonjour de Big Testy, j'ai beaucoup de thunes, faites le menu vite, je vais payer cash. Ah, bon, puis moi, j'adore le Big Testy, mes stars. Dites voir, quand vous allez au McDo, vous prenez quoi? Moi, mes parents, ils ont le seum parce qu'en fait, à chaque fois que je vais au McDo, ils pensent que je vais prendre un Happy Meal pour payer pas cher. Mais à chaque fois, je prends tout un menu. Regarde bien. Ok. Vu que j'ai dit que je suis pressée, elle va garder le sac dans sa main, elle va vouloir retirer sa main pour prendre le cash et là, on arrache tout. Elle veut carrément lui arracher le bras et tout. Mais elle est zinzin, elle aussi, hein. Mais on va voir si la technique, elle marche. Vite! Elle lui a piqué, mais genre à la vitesse du tonnerre. Ah, mais c'est trop bien, en fait, d'être pauvre. Regardez comment je suis bien dans mon kart. Le problème, c'est que je roule à l'envers, mais t'inquiète. Trop facile. Et ouais, j'avoue, c'était ultra facile. Et maintenant, on peut manger. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. C'est 10 ans d'expérience, ça. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'elle est dans la rue. Ça veut dire qu'elle va jamais glow up de sa vie. Elle va toujours rester une clocharde. Oh, faut que je trouve une mission d'exfiltration d'ici parce que je veux pas rester SDF toute ma vie. Tu sais, avant, j'étais dans une famille riche. Franchement, j'ai du mal à y croire. Comment on peut passer d'une famille riche à vivre dans la rue? Une héritière. Et ben en attendant, elle a juste hérité de la crasse. Et de trous dans les vêtements. Mes parents m'ont forcé à me marier à un mec que je déteste. Et je suis choquée. Encore des gens qui font ça en 2023. Enfin non, c'était il y a 10 ans, c'était en 2013. Ils m'ont obligé à, avec, mais j'ai refusé. Alors je sais pas ce qu'ils l'ont obligé à faire avec le mec, mais elle a bien fait quand même de refuser. Avec le bébé. Quoi? Ah, à faire un bébé avec. Carrément. Ah ouais, c'est chaud là. Ah, c'est pas cool. Moi, je lui propose une idée de génie, c'est d'aller les tuer. On peut pas, ils sont trop puissants comme famille. On n'a qu'à tuer une famille de substitution, on y va, on tue une famille au pif pour déverser notre haine. Il y a 30 gardes dans le jardin. Ah oui, ils sont chauds. Ils ont plus de gardiens qu'Emmanuel Macron. Je n'ai plus de haine, je veux juste donner de l'amour, moi. Mais t'inquiète, moi, j'ai de la haine pour deux. J'aurai de la haine pour nous deux. Te donner une belle vie. Concernant la belle vie, il va falloir qu'on en reparle parce que t'es dans une poubelle qui pue le caca. C'est pas fou, quoi. Je vais voler pour te faire aller à l'école.
ça devient intéressant. Ok, j'aime ça. Mais la petite enfant que je suis, elle est terrifiante. Je sais voler des cartes de riches. Mais si elle sait faire ça, pourquoi elle est encore dans la rue? Elle devrait être riche. Et j'ai ma salle spéciale. C'est ouf. Où je garde mes gains pour mon futur enfant. Je sais pas, elle va pas me dire que c'est la banque de Brookhaven, le coffre-fort. Un jour, tu vas le voir. J'espère qu'elle m'a écrit sur le testament au cas où ce qu'elle dit, c'est vrai. Ce que ça fait, en fait, c'est juste une folle. C'est juste une zinzin qui pense qu'elle a de l'argent, mais en fait, elle a rien du tout. Et moi, je veux de la moula. T'as pas mal aux pieds, ma chérie. Non, ça va en vrai. En plus, avec mon carte et tout, je suis trop bien. Mam. J'aime trop mon carte, moi. J'ai bientôt plus d'essence. Avec l'inflation, là, c'est compliqué, hein. À 3,60€ l'essence au litre. Sinon, je vais voler un véhicule. Ça, c'est une bonne idée, parce que si on vole un véhicule, j'aurais plus besoin de marcher. Vous trouvez pas que ma daronne, elle a quand même un peu une tête de chien, comme ça, avec sa langue? Et c'est de quoi, on dirait, vous savez, des oreilles de chien. On rentre ici, car c'est facile d'arnaquer des gens là. Ah ouais? Elle va piquer une pizza. Et je vais devenir grosse avec elle. Bonjour, madame. La pauvre, elle a écrit là le texte. Et il y a Roblox qui ne l'a pas respecté. Non, mais ça va pas bien, Roblox. Oh, regardez, en plus, dans la pizza, on dirait un truc de carte comme moi. Du coup, ça me donne envie d'aller sur la ligne d'arrivée. Wesh, ils ont vidé leur stock. Oh, regardez, j'arrive à passer par là. Vous pouvez m'appeler un chef SVP, merci. Trop bon, la pizza. Moi, j'adore les pizzas. Eh, mes pizzas préférées, mes stars, c'est la pizza orientale. C'est la meilleure de toutes les pizzas. Y a rien à dire. Yam. Tu veux te faire un ciné? Oh, je vais regarder un film interdit moins de 18 ans. Je vais regarder un film de grande personne. Ok, reste là. Ouais, elle va où? Elle va aller piquer le cinéma. Ouais, elle va sortir, elle va avoir le grand écran sur le dos. Ah, je crois que je suis peut-être. Elle a volé quoi? C'est une carte bancaire qu'elle a volée. Ah non, c'est le ticket. C'est le billet. C'est le billet pour aller voir le film. Trop bien. Regardez, il y a des guns et tout. C'est un objet, ça filme moins de 18, ça. Oh, regardez avec mon petit carte dans le siège, je suis trop bien. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le monsieur du FBI. Vous avez de l'argent? Ils ont dit oui. Mais wesh, wesh, regardez. Mais elle est trop forte, ma daronne. Regardez, elle a juste demandé s'ils avaient de l'argent. Les gens, ils sortent des billets et des sacs complets. Et moi aussi, je prends un sac, je me sers, hein. Viens, ma fille. Installe-toi ici, je reviens. Je crois qu'elle est sûrement partie pour voler une voiture ou un truc comme ça. Oh, elle est là. Je l'ai vu passer, là. Wesh, regardez, là, un t-shirt Batman, trop bien. Moi aussi, je veux un t-shirt Batman. Tu es la vraie? La vraie quoi? De quoi il parle? Je ne comprends pas. Moi, je suis juste une petite fille qui voulait se faire adopter. On va sortir le El Famoso, je suis fan d'elle, ouais. Parce que des fois, ça passe. Et les gens, ils se barrent en mode, ouais, bon, c'est pas la vraie, alors je me casse. Attendez, c'est ma daronne qui revient avec une voiture, on dirait... Oh, trop bien. Oh, c'est une voiture de rallye de course. Oh, c'est comme mon petit kart. Je te crois pas. Alors, elle croit pas que je suis la vraie ou elle croit pas que j'ai dit que j'étais une fan? On est poursuivi par des trottinettes et des hoverboards et des skateboards. Oh, on va aller voler des vêtements. C'est trop bien, ça. Il faut que ma daronne, elle s'habille, là. Il faut qu'elle s'habille en bas de... Vous pouvez nous adopter? C'est mis en petite en direct. Elle a volé des vêtements. C'est sûr, elle a volé des vêtements. Oh, wesh, j'ai plein de petites sœurs, là, d'un coup. Elles ont craqué. Et j'ai vu, hein, c'était intentionnel, hein. Ma mère, elle a fait exprès d'essayer de l'écraser, hein. Ah, je l'ai vu, hein. Et la maison, là, elle est bien, parce qu'il y a un parc de jeux derrière. C'est trop génial, ça. Et stylé, ma daronne, comme ça. Un parc pour toi. Trop cool. Il y a un toboggan et tout. Un toboggan qui glisse pas, mais c'est bon. J'aime bien. Nya! Je voulais aller sur le toit du truc, mais j'ai pas réussi. C'est bon, j'ai réussi. Mon objectif est atteint. Attendez, j'ai dit mon objectif est atteint, tarte atteint. Je crois qu'il y en a une qui s'est infiltrée. J'ai utilisé le même sac de couchage. Et maintenant, en plus, je sais où il y a le coffre ici. On va aller voir si elle est montée. Et voilà. Je sais pas si c'est à qui cette maison, mais il n'y a plus d'argent ici. J'ai déjà pris. Hihi. Ouais, je suis un garçon à la salle de bain. Vite, faut sortir. On se casse. Ok, je te suis. Je suis Mams. Ah! Je sais pas à qui c'est la maison. Ah! Il y en a une qui s'est fait jarter. Ah, vite! Faut que je trouve un moyen de sortir. Je vais prendre le sac de couchage. Il est où, vite? Ouais, j'ai sortir par là. J'arrive pas. Je pense que là, c'est bon, hein. Yes. C'est bon. C'est bon, je suis sortie. C'est bon, je suis là. On peut y aller. J'ai l'argent. J'ai volé l'argent. C'est bon. On est riche. Avec ce que j'ai piqué, je sais pas ce qu'on va pouvoir s'acheter, mais... On peut peut-être pouvoir s'acheter une maison. Bah, si elle a volé de l'argent, moi j'ai volé de l'argent, ça veut dire qu'on commence à devenir riche. On va où? On va dans le yacht.
C'est trop bien. Vie de rêve. Vous avez déjà vu une voiture dans un yacht? Bah c'est moi. Regardez ma main qui sort de ma tête. C'est trop cringe. Le proprio du yacht est mort. Ah vous, c'est toi qui l'as buté, Mams. Personne le sait. Bah personne le sait parce que toi tu le sais. Tu le sais parce que c'est toi la tueuse. Et moi ça me va, tant qu'on peut habiter ici. Du coup j'en profite. Ah bah oui, c'est pour ça que tu l'as tué, c'est pour pouvoir en profiter. On le sait, tu le sais, je le sais, on se le sait. On dirait des jumelles, regardez, elles sont toutes les deux blondes, elles sont habillées pareil. Regardez, on va voir, c'est comment la chambre ici. Non, c'est stylé en vrai ici. Ma fille, je dois te parler. Ça me fait peur. Si je reviens pas, appelez la police. Le 911. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le Titanic. Elle s'est mise tellement dans un... Oh! Elle s'est mise en mode sérieuse. Elle va m'annoncer une dinguerie. Je vous l'annonce, elle va m'annoncer une dinguerie. Qui du coup sera annoncée en vidéo. Tu sais ma fille, la vie est très difficile. Ah c'est très solennel. Elle va m'apprendre qu'en fait, mon père c'est le roi d'Angleterre. Non c'est pas vrai, elle m'a adoptée, c'est pas possible. Mon seul but c'était de voir le futur. C'est une sorcière, elle a besoin d'un sacrifice d'enfant pour voir le futur. Elle va me sacrifier en me jetant dans l'eau. De voir une jeune prodige. Et ça c'est moi, ça c'est tout à fait moi ça. Une jeune prodige, Svetlana bonjour, c'est bien moi. En fait je ne suis pas SDF vu mes compétences pour le vol. Je suis choquée. Mais moi je pensais que tous les clochards c'était des pro-voleurs. Mon patron m'a envoyé ici pour recruter, c'était ma mission. En fait elle fait partie de du FBI. Pour trouver la perle rare. Mais je suis une perle rare moi. Je le suis. Et là d'un coup elle m'annonce, ah bah c'était pas toi Svetlana, en fait t'es trop nulle, faut que j'adopte un autre enfant. Et je vois beaucoup de potentiel en toi avec de la formation pour le combat, ça va être super. La secret agency de Brookhaven. Wesh, je l'ai vu. J'ai vu, elle avait une arme. Elle avait une arme. Vous pouvez pas le dire avant qu'elle avait une arme. On aurait braqué des gens. Ça t'intéresse de rejoindre le cartel de Brookhaven? C'est carrément un cartel. Et la question c'est, est-ce que je vais devenir riche? C'est ça la question, finalement. C'est mon but ultime dans la vie. Oui, et puissante, tous les hommes vont te lécher les pieds. Ah. C'est vrai que j'ai des beaux pieds. Faudrait que j'ouvre un OnlyStar et que je vende la photo de mes pieds. Mais bon, après le problème, c'est que après va y avoir plein de pervers. Regardez, en plus, il y a le lever de soleil. C'est magnifique. Les femmes les plus puissantes de la ville. Ah bah j'accepte direct, hein. J'ai un doute sur comment j'ai écrit j'accepte, mais je crois que ça s'écrit à peu près comme ça. Et ce lever de soleil magnifique, je viens de rejoindre un cartel sur Brookhaven. Je veux devenir une femme riche et puissante. Moi, je suis la découpeuse de tête. Bon, ça va, ma tête, elle est encore là. Espérons qu'elle le reste. La baronne. En fait, c'est elle la chef. Par contre, mes stars, là, faut que je vous dise quelque chose. Cette vidéo, elle devient trop sérieuse. Je peux pas vous montrer la suite. Parce qu'après, je risquerais de gros problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? La suite doit rester secrète. Je vais devoir vous laisser et vivre ma vie de délinquante. Donc, mes stars, la bise!